Cette partie se concentre sur le déplacement et les frappes dans l'espace avant et montre des exercices de plus en plus complexes. Sur un demi-terrain, l'entraîneur distribue à la main de façon régulière et prévisible. Le joueur, après un seul pas, fait des lifts depuis l'espace avant. L'entraîneur continue de distribuer des volants à la main vers l'espace avant, mais cette fois, le joueur se déplace depuis le centre du demi-terrain. Ensuite, la pression augmente en introduisant un déplacement en shadow en fond de court entre chaque frappe en zone avant. Ici, l'entraîneur distribue à la raquette vers le fond et l'avant du court de façon prévisible. La dernière étape permet à l'entraîneur de distribuer sur tout le demi-terrain de façon aléatoire.